closed doors, I'm a fool for your love. Eh bien, bonjour à tous, c'est Alex Killer. Et après ce trailer que vous avez pu voir, on se retrouve sur Train Mechanic Simulator 2017. Donc, un jeu de simulation de mécanique de train, normal, hein, voilà. C'est dans le titre. Développé par SI7 Studio, édité par Playway. Et il est sorti le 23 mars 2017, c'est-à-dire il y a 3 jours. C'est un jeu très récent, on peut le dire, hein. Donc je vais vous lire un petit résumé du jeu. Profitez de votre occasion comme véritable mécanicien de train. Trouvez des locomotives autour du monde du jeu qui a besoin de votre aide et de les réparer dans l'un des 3 ateliers localisés dans l'immense 25 km² monde ouvert. Il y a trois ateliers. Après, vous serez face à tout type de dommages dans tous les genres de trains. Donc, diesel, électrique et même old school. Alors, le jeu est disponible en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Le jeu est normalement au prix de 15€ sur Steam. Sauf qu'en ce moment, il y a un moins 20% jusqu'au 30 mars, vous pouvez l'avoir à 12€. Profitez-en pour ceux qui veulent l'acheter, il est à 12€ sur Steam. Et l'offre prend fin le 30 mars, donc faites attention et allez l'acheter rapidement. Donc moi je vous propose de commencer, nouveau jeu. Et c'est parti pour cette présentation de Train Mechanic Simulator 2017. Bienvenue dans le jeu mécanicien de locomotive 2017. Vous allez vous mettre dans la peau d'un mécanicien de locomotive et votre tâche consistera à réparer des véhicules ferroviaires dans 3 types d'ateliers différents. Vous devrez prendre soin à la fois de machines à vapeur, simples et archaïques, et de locomotives électriques ultra modernes. Vous devrez confier chaque type de locomotive à l'atelier correspondant. Bonne chance, merci le jeu. Petit tutoriel, je vais pas vous mentir, j'ai déjà vu des tutoriels, j'ai déjà vu des quelques vidéos du jeu. Donc pour vous expliquer, là on a trois tables, c'est des tables de réparation, donc là on a électrique, là on a mécanique, et là on a hydraulique, c'est là où on va réparer les pièces de chaque train. Voilà, donc après là-bas on a notre bureau. C'est là où on récupère les missions, de toute façon ça va nous expliquer. Donc comme vous pouvez voir ici, hop, commande. Donc là ça nous explique système de réception des commandes, à cet endroit où vous pourrez prendre en charge les commandes, ils sont destinés à l'atelier donné. Dans cette fenêtre, vous pourrez basculer entre différentes commandes et ignorer une tâche pour éventuellement la terminer plus tard. Donc là on a la première mission, bienvenue dans le jeu mécanicien, ça c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Donc, première mission, premier train, train orange. Alors, on dirait que la cause de la panne de la locomotive est l'endommagement d'un bogie. Pour ceux qui savent pas, un bogie, c'est là où il y a les roues. C'est les roues, quoi. Probablement, ce sont les suspensions en acier et caoutchouc. Rechercher la cause exacte de la panne, remplacer la pièce par une nouvelle. Revenu de la tâche, $125. Donc ici, on peut voir, on a 2 pièces à trouver. Donc les 2 pièces qui sont à la bougie. La bougie. Donc c'est ici la bougie. Donc vous voyez c'est ce qui relie les 4 roues avant. Et il y a pareil à l'arrière là-bas. Il y a des bougies. Sauf que ce qui va nous intéresser c'est ici, parce que je sais pas si vous avez vu directement, mais regardez, c'est extrêmement rouillé. Et à partir du moment où on voit que c'est rouillé, c'est que c'est les pièces qu'on doit trouver. Donc regardez, hop, on se met en mode examen. Ici on peut voir c'est les pièces rouillées, hop, et de 1 et de 2. On n'a plus qu'à les démonter. Hop. Vous voyez, en fait c'est souvent les pièces rouillées. Il y a des pièces moins rouillées que d'autres. Comme il peut y avoir des pièces rouillées qui sont quand même en bon état. Donc qui n'ont pas de problème mécanique ou tout genre. Donc ici c'est du mécanique.
Donc ce qui est bien par rapport à ici, vous avez un système de chance. Là par exemple on a 100% de chance, donc on est sûr que si on va réparer la pièce, on est sûr que la pièce va être complètement réparée. Après je vais vous montrer dans la suite de la présentation, il va y avoir des pièces qui seront qu'on aura de la chance à 31%. Pour ceux qui prendront le jeu, n'utilisez jamais n'essayez jamais de réparer les pièces qui ont de la chance à 31%, parce que vous êtes sûr que ceci ne va pas être réparé, c'est sûr. Du coup bah je préfère que vous fassiez ça à 100%. Après vous faites comme vous voulez, si vous voulez quand même tester vous faites comme vous voulez hein. Je vais pas vous forcer à ne pas tester la réparation. Là-dessus, la première mission elle est terminée. Il y a aussi dans le jeu un système d'amélioration des tables de réparation de tout l'atelier. Donc vous pouvez voir, je vous ai pas vraiment montré l'atelier, c'est une sorte de hangar qu'on a pour l'instant. Donc on va prendre la deuxième mission. Comme vous pouvez voir, je connais assez beaucoup de choses dessus parce que je m'y connais un peu par rapport à ce jeu, je me suis informé tout ça et tout. Donc là on a trois pièces à trouver. Retrouver les pièces endommagées dans le système de freinage dans la bogie avant. Donc c'est là où on était, la bogie avant. Donc on va y retourner. La bogie avant, donc comme vous avez pu voir, donc là on a un beau train bleu. Malheureusement qui est endommagé. Donc c'est ici la bogie avant. C'est donc à l'avant du train, normal. Donc pour je vous ai pas dit, mais pour enlever la carrosserie c'est V. Hop. Donc vous voyez, je pense que c'est ça, regardez, hop. On voit que c'est très endommagé ici. Donc on va vérifier si c'est bien ça. Oui, ça a l'air d'être ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Aussi, un conseil. Pour ceux, parce que j'ai vu un youtubeur que je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Galax, a fait déjà une bonne partie du jeu. En fait, il savait pas comment on fait pour bouger la caméra. En fait, vous voyez là le curseur, le petit point blanc qui me permet de bouger un peu. En fait, vous devez mettre le curseur où vous voulez avancer avec la caméra. Vous faites F, regardez, F, attendez, off, F, avec le curseur où vous voulez aller. Et en fait, ça va faire bouger la caméra. Vous voyez? Hop, hop. Vous voyez? Donc, Galax, si tu vois cette vidéo, ce qui est... totalement improbable. Maintenant tu sais comment faire. Et ça t'empêchera de galérer pendant tes lives parce que je vous mettrai le lien dans la description de la chaîne de Galax. Parce qu'il fait beaucoup de lives sur ce jeu. Et sans vous mentir, ces lives sont assez sympas. Hein. Mais ce qui est bien avec ce jeu, c'est que on a beau peut-être regarder des youtubeurs faire des vidéos de ce jeu. Ça n'empêche pas qu'on va jamais vraiment se rappeler des missions. Parce que les missions, ils sont... en fait, on a du mal à s'en rappeler. Donc voilà, c'est ça que je vous parlais. Regardez, escalier de frein, par exemple, ça. Je suis sûr que je vais pas le réparer parce que c'est à 31%. Par contre, le support d'escalier de frein, oui. Parce qu'il est à 100% du coup. Regardez, boum. Je suis sûr que je vais pouvoir le réparer. Donc, l'escalier de frein, c'est mort. Après, dans l'hydraulique. Alors, piston hydraulique non plus. 31%, c'est pas possible. Donc à ce moment là ce qu'on fait, on va dans le magasin. Donc on doit acheter l'étrier de frein et la piston hydraulique. Donc étrier de frein, piston hydraulique, panier, commander, oui, hop. Et en fait après, à ce moment là ce que je fais, c'est que je vais dans mon magasin de pièces à moi et je vends les pièces qui sont usées, que je peux pas réparer. Comme ça, ça me fait gagner de l'argent et je pourrais améliorer mon atelier. Du coup, on va aller mettre les nouvelles pièces. Parce que par exemple, en fait, quand vous améliorez votre atelier, ça permet que pratiquement tout le temps, vos pièces, elles sont à 100% pour les réparer. Et ça évite tout le temps de devoir racheter des pièces alors qu'en fin de compte, on aurait pu les réparer en améliorant notre atelier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve assez sympa, la musique de fond. Je vous laisse écouter. Je la trouve assez sympa.
Donc aussi je voulais vous dire que je vais faire un let's play sur ce jeu parce que déjà il y a beaucoup de missions et en plus c'est un jeu assez sympa. Il n'y a rien à dire dessus. Pour l'instant les missions elles sont rapidement parce que c'est des missions assez faciles. Mais ce jeu il est vraiment sympa. Je pense que je vais faire beaucoup d'épisodes sur ce jeu. En diversifiant avec d'autres trucs bien sûr. Parce que je vais pas faire 50 000 vidéos à la suite. Faudrait que je diversifie avec d'autres jeux. Donc voilà, donc je vais arrêter le let's play. Je vais arrêter la présentation du jeu ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez bien les vidéos que je fais. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous aimez bien ce jeu. En tout cas, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et moi, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Yeah.